Donc, oula, petit lag de FPS. Bon, ici, c'est toujours débile, hein. Je viens de repasser du Soul. J'ai quasiment 2000 stacks de blocs d'Underpearl. Donc voilà, hein, voilà, donc j'ai de quoi faire tourner ma base, le builder, voilà, tout le toin-toin, voilà. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner le crafting table. Il est possible qu'il faille en fait avancer dans la Twilight Forest, c'est-à-dire commencer à buter les boss un à un. Parce que j'ai même essayé avec d'autres trucs, comme par exemple un simple arc et ça veut pas. Je peux pas récupérer les éléments. Et j'ai vu une vidéo sur internet, le mec met sa pioche, son épée, peu importe. Ici, il a qu'à cliquer sur l'élément et en fait c'est décrafté et il récupère les éléments du craft. Donc malheureusement, je ne peux pas. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Est-ce que ah oui, autre chose que je voulais tester, c'était si est-ce que c'est parce que je suis dans l'End qu'il ne veut pas. C'est une possibilité aussi. Bref, c'est pas grave. On va la laisser en stand-by pour le moment et on essaiera dans l'Overworld tout ça. On essaiera dans l'Overworld, on essaiera de retourner dans la Twilight Forest pour la faire fonctionner. On verra bien. Alors ici. Hop, on va mettre ça là. Pour moi, on va mettre ça là. Ok. Alors, la question, c'est notre fameux. Où est-ce qu'on se met pour faire le ME contrôleur et tout ça là. Enfin, le ME. J'appelle ça le ME contrôleur, mais bien sûr, c'est parce que ça s'appelait comme ça dans la Pléiade énergistique. Mais on va donc se baser sur. Hop, j'ai pas besoin d'armes. Hop, hop, le leadstone, on va le ranger. J'ai pas besoin de cerveau. Les renforcés, on s'en fout. Non, si, ça, je vais en avoir besoin. Ah oui, mon restant de furnace, c'est vrai que je l'ai enlevé, je l'ai pas reposé. Hop, un seau, je vais pas en avoir besoin tout de suite. Création de tamer, peut-être. Ok, première étape, donc l'inventaire propre. Ensuite, donc, on va se baser donc sur. Donc c'est non, Refined Storage, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc la première chose à faire, c'est un contrôleur. Wow, ah d'accord, ça attaque fort. Ça attaque fort, il faut un avancé de processeur et une machine casing. On va déjà voir si on l'a pas. Oh là là, du quartz enrichissé d'iron. Bon, ça va, ça c'est pas compliqué à faire. Donc déjà on a ça. On a le silicone, il nous faut la machine casing. La machine casing, il nous faut plus de quartz machin. Donc on va en faire. En vrai, on va en faire un stack. Comme ça, on est tranquille là-dessus. Hop, donc machine casing. C'est quoi au milieu? C'est de la stone. Ok, d'accord. Donc, on a déjà notre machine casing pour le contrôleur. Oui, ok, d'accord. Hop, ensuite, il nous faut l'avanced processor. J'ai eu peur parce que ça n'a pas cliqué. Donc il faut qu'on fasse un raw advanced processor. Et pour ça, il nous faut. Alors j'ai presque tout sauf ça, le processeur binding. Et il me faut juste un peu de fil. Donc on recommence. Donc pour l'avancé processeur, il me faut le RAW. Le RAW, il me faut le processing binding. Processing binding. Hop, j'en fais et je les fais 8 par 8. Tac, tac. Alors on va faire les 8 résultats. Parce que je pense que voilà. Et on va faire cuire ça. En vrai, je devrais. Bon, tant pis, je les ai envoyés là-bas, mais en vrai, je devrais, c'est. Hop, mon Redstone Furnace, le poser là et l'utiliser. Ok, alors, résultat, je vais avoir les composants qui vont arriver ici, je pense par là. Je pense que ça va arriver ici. Ok, bon, pour moi, j'en prends qu'un. De toute façon, voilà, c'est là, hein, c'est les 8 vont arriver ici. Donc, on est parti, normalement j'ai tout. Il me manque un silicone. Alors, est-ce que j'ai encore du silicone? Il va falloir que je refasse chauffer du quartz. Bon, on est reparti pour faire chauffer du quartz. Alors, dans le Redstone Furnace, je pense que c'est bon, hein. J'ai un doute. Attendez, j'ai un doute. On est bien d'accord que c'est en se mettant qu'on obtient du silicone. C'est bien ça. Hop. Et on a le contrôleur. Ok. On verra où on le pose, mais pour le moment, on a notre premier élément. Ensuite, il va nous falloir donc tout ce qui est grid. Mais surtout le crafting grid. Donc il nous faut le grid, il nous faut une crafting table et un avancé de processeur qu'on a déjà. Donc il faut qu'on fasse un grid. Alors évidemment, il va falloir. Hop.
Donc déjà, premièrement, il va falloir un grid qu'on upgradera en... en crafting. Attendez, hein, je regarde, mais... Après, le portable grid, ce sera obligatoirement un fluide pour ça. Bon, ok, on verra. Ah oui, il y a le crafting monitor qu'il faudra faire aussi. Ça sera pour surveiller les crafts demandés. Ah, le storage monitor pour vérifier l'état du storage. Il y aura le crafter, évidemment, à faire. Il y en aura plusieurs à faire. Le disk drive, ça sera pour le stockage. Bon, alors, les stockages blocs, on s'en fout. Est-ce que le créatif, je peux le créer? Non, je peux pas le créer. Je peux créer que le 4, le, je peux monter jusqu'à 64K maximum. Bon, ce sera largement suffisant. Mais on se fera plutôt les disques. Ils sont là, hein? Non, ils sont là. Voilà, les 64 storage disques. On se fera ça plutôt. Et après, on fera les network transmitter et receiver. Si je dis pas de bêtises. Alors, si je dis pas de bêtises, le transmitter, faudra le mettre au niveau du contrôleur. Et les receivers, ce sera en fait des sous-contrôleurs à distance. Et il me faut aussi que j'anticipe. Il y a la wire card. Et normalement, il y a un truc qui s'appelle la dimensional card, un truc comme ça. Normalement, il y a un truc qui s'appelle la dim card, je crois. Un truc comme ça. Alors, on a les interfaces seront utiles. Bon, pour le moment, je ne la vois pas. Mais il y aura certainement une dim card à créer. Crafter Manager, Crafting Monitor. Et c'est quoi la différence avec le crafting? Bon, on verra bien. Pour le moment, j'ai des grids à créer. Alors, pour le grid, il va manquer pas mal de choses. Ok. Ok, alors, il me manque quoi? Il me manque, bon, le machine casing. J'ai plus grand-chose en cobalt. Bon, faut que j'aille en chercher, bon, de la stone. Donc ça, ce sera pour la machine casing. Ensuite, alors, l'improvement processeur, c'est raw, c'est... Ah, il va falloir que je refasse ces trucs-là. J'y arrivais. Alors, il me faut, donc, les improvements. On va les faire, entre guillemets, à la demande. Alors, ensuite, donc, il va me falloir deux... Donc, il me faut du gold. Hop, on va aller en chercher. Hop, grid, improvement, raw, tac, il m'en faut deux. Ensuite, donc ça, ce sera pour ces deux-là. Ensuite, il me faut la construction core. Qu'il me faut avec un basic processor. Le basic processor, c'est ces éléments-là. Il m'en faut pour le moment qu'un. Ensuite, il me faut la destruction core, qui se fait aussi avec un basic processor. Donc, il me faut un deuxième basic processor. Ok, donc déjà, il faut que je fasse chauffer ces processeurs-là. On va commencer par les raw, enfin les improved. Maintenant, je mets deux basic processors qu'il va falloir que je convertisse. Donc, ça, c'est avec de la glowstone pour faire la construction, avec du quartz pour faire la destruction. Et donc, il me manquait juste la stone. Et là, j'ai mon grid. Ok. Donc avec le grid, maintenant, on va faire la crafting grid. Bon, je vais chercher mes avancées de processeur. J'en ai avoir besoin sur moi. Voilà, j'ai avoir besoin d'un petit peu de bois pour me faire une table de craft. Et donc... Ok, on a notre deuxième élément. Alors, il va falloir qu'on refasse un grid. Juste avant, je vous demande juste une petite pause. Ok, donc, un autre grid. Oula, ouais, ok. Oui, donc pareil, même motif, même punition. On va devoir faire deux comme ceci. Non, j'ai déjà fait cela. Et deux basiques. Alors, je vois déjà le truc, donc je vais me faire en avance 8 processeurs binding de plus. Alors, ce que j'ai fait, c'est le crafting. Hein. Oui, le crafting. Là, ouais, quoique le pattern, il est peut-être pas forcément. Si, on va faire quand même le pattern grid. Ouais. Alors, il me manque aussi ça, bah, le pattern. Même s'il va falloir que j'en fasse plusieurs. Et donc, pattern grid. Oui, il faut que je me fasse donc le grid. Faut que j'aille faire chauffer mes machines. Donc ça c'est bon. Donc au niveau de mon grid, ça. Non. Faut d'abord que je me fasse les deux improvements. Non, bah, c'est bon, je les ai. Je les ai. Donc ouais, donc c'est ça. Donc c'est mes deux basiques qu'il faut que je récupère. Donc il me faut la construction et la destruction. Et je peux faire donc mon grid. Non, il me manque une machine casing. Donc
un autre grid. Et ce grid-là sert à faire le pattern grid. Voilà, troisième machine. Alors, le pattern grid, c'est bien, mais il va me falloir les crafters, les trucs comme ça. On va faire d'abord, on va vraiment s'orienter d'abord sur le stockage, parce que ça va être le but. Donc, on va faire le disk manipulator. Pour ça, il va falloir que je fasse deux storage using. Je ne peux en faire qu'un. Alors, pourquoi je ne peux en faire qu'un? Il me manque de la glace. Et oui, si j'ai du sable sur moi, donc ça devrait le faire. Ok, donc j'y mets deux. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? Même délire, donc il me faut deux basiques. Donc je ferai chauffer après. Faudrait un hopper. Ah mais je peux pas le faire sortir. Bon, c'est pas grave. Ouais, évidemment. Ouais, bon, en vrai. Voilà, entrée et sortie, hein, c'est pas grave. On fait les deux, c'est pas grave. Un machine casing. Donc, il me manquera mes deux basiques. Ok. Donc, mes deux basiques. Avec ça, encore une fois, faut que je fasse un construction et un destruction. Et on peut se faire. Ah merde! Alors j'espère que ça ira parce que c'est disque manipulator. Mais est-ce que. Ouais, c'est pas ce que je pensais. Ah zut! Bon, il servira. Il servira, c'est pas un souci. Mais c'est pas ce que je pensais. C'est pas ça, c'est le. C'est ça, c'est le disque drive qu'il faut. C'est pas grave, hein, ça servira, mais. La disque drive. C'est ça qu'il faut. Ah oh, bah, il me manque juste la casing. Par contre, j'ai manqué de quartz machin là. Va falloir que je reprenne du quartz. Là. Ah bah bien sûr, maintenant que j'en parle. Voilà, le disque drive. Bon. Ensuite, bon, je vais avoir besoin de créer bien évidemment mes disques. Mais est-ce qu'au niveau. On va faire tout ce qui est crafter. Donc il va me falloir le crafting monitor. Quoi qu'il y ait le storage monitor aussi. Le storage monitor est pas nécessaire encore dans l'immédiat. Mais à terme il le sera. Le crafter manager. Donc il me faut le crafting monitor, le crafter manager et les crafters. Hein. J'ai fait un truc qui s'appelait crafter. Ouais ça. D'accord, hein, ouais. Ça coûte cher. Ça commence à coûter cher. Bon, il y aura les crafters à faire. Et ça, on s'en fera une panoplie. Mais alors, il va me falloir aussi. Est-ce que ça existe dans cette version? Alors, l'équivalent du ME chest. À mon avis, ça doit être l'équivalent des 16K storage, là, à mon avis. Le petit wireless transmitter. On va se le faire. Ça doit être placé sur un câble, donc il faut faire un câble. Bah, je pense qu'on va commencer à faire les disques. Hein. Je pense qu'on va commencer à faire les disques. Je pense que ce sera. Non, donc c'est pas ça. Voilà, ça, les 1K storage disque. Pour ça, il faut faire des storage housing.
Donc il va falloir faire. Bah, on va essayer de faire un. On va essayer de monter le plus haut possible. Alors attendez. Donc ça, il m'en faut un. Il m'en faudra trois. À chaque fois, il m'en faut trois du précédent, c'est ça? On va essayer de monter le plus haut qu'on peut. Donc le 1K, donc le 4K. Il me faut des basic processors. Bon, j'en ai que 6. Ce qui veut dire que je peux en faire qu'un, zut. Bon, un 4K. Alors, donc il me manque. Pour faire mes basiques machin processeur, il me manque. En fait, il me manque ça. Bon. On va en faire un max. Ouais, bah voilà. Ouais, ben ça. Alors, si je l'ai fait, qu'est-ce qui me manquera? Du silicone. Juste me manquer du silicone. Donc, on y va. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc les 1K c'est bon. Les 4K. J'aimerais pouvoir en faire plus. Pour ça il manque des basic processors. Faut que je peux en faire 3 de plus. Alors. Je peux en faire 2. Ah, mais il n'y a pas, hein. Faut que je me fasse plus de ces trucs-là. Et pour ça, il me faut plus de silicone. Alors oui, tant que j'y suis, il m'en faut donc un dernier, ici. Il me faut ça, il me faut. Tac, tac. En fait, chaque craft demande du silicone, quoi. Ça, c'est ouf. Ok. Alors, ça, ce sera bon. Ensuite, il me manquera quoi? Il me faudra des improved ensuite. Après du quartz, de la redstone. Et donc, ouais, ok. Et déjà, je pourrais faire un 16K. Et le 16K. Ah, attendez. Ouais, non, c'est ça. Et le 16K, après, bah, après c'est 64K, mais on n'est pas loin, quoi. Hein. On est à l'avant-dernier, en fait. Après, ouais, faut des avancées de processeur, quoi. En vrai, ça va. C'est pas le plus dur, en vrai. J'aimerais quand même qu'on arrive à se faire un. Au moins 64K. Qu'on puisse être tranquille, quoi. Ok. Donc, avec les 4K là, on peut en faire 2 de 16K. Il me faut juste les improvements. Et il me manque encore du silicone. Je sens que je vais cramer du quartz. Alors, je disais qu'on était au 16K. C'est ça, hein, ça ce sont les 4K. Ouais, c'est ça. Donc, 16K. Pour ça, il me faut les improvements. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vu que je peux en faire 2. Donc ça, va falloir que je les crame. Et après, bah, c'est pareil. Hein. Il me faut. Alors, il me faut. On va les faire 3 par 3. On va essayer de. Ouf, je peux même pas. Je peux même pas. De la glace, j'ai déjà plus. Ah, oh, c'est pas vrai ça. Bon, on peut au moins faire 16K. On peut faire 2 16K. Il en manquerait un troisième et on peut se faire un 64K. Et on n'est pas loin. Hein. C'est quand même coûteux hein. En termes de silicone. Voilà, donc je me demande si j'irais pas quand même faire un tour dans le Nether pour aller récupérer du quartz. En plus, le quartz, je l'amène pas directement de la query. Faudrait que je le fasse.
Bon, de toute façon, là, j'ai du, voilà, j'ai du silicone en chauffe et je vais avoir du verre qui va arriver en chauffe. Alors, la question c'est, est-ce qu'à la limite, attendez, on va essayer de faire ça comme ça. On voit qu'on va ramener ça comme ça. À me laisser quelques blocs. On va juste faire le temps que ça crame, un aller-retour à la curie. Bon, lui, on va y mettre un stack de quartz en plus. Zut! Oh. D'un cold storage, il m'en manque un. Il me faut de la glace. Il faut que je récupère. Enfin, du glace. Hop, verre. Silicone. Hop. Alors, il me manque un. Non, il m'en manque même plus que ça. Donc là, j'en ai 9. Ce qui va me permettre de faire. Hop, 3-4K. Il me manque du quartz encore. Tac-tac-tac. Donc je disais des 4K. Pourquoi je peux en faire qu'un? Parce qu'il me faut des basic processors. Alors, il m'en faut 4, 4 fois 3. 4 fois 3, 12. Ok. Donc, j'ai ça à faire chauffer. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de quartz à faire chauffer en fait. Hein, pour faire du silicone et ensuite pour faire des processeurs. Mais ça va, il y a que 3 processeurs. Donc, c'est pas non plus. Enfin. Il n'y a que 3 processeurs de base et après le basique qui peut se dériver en construction ou destruction. Mais sinon, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Après, je vois d'autres trucs là. Les upgrades. Ah, d'accord, ok. Alors, c'est bizarre. Ça doit être d'un autre. Ça doit être dans un autre truc, résultat, parce que je sais qu'il existe une upgrade qui s'appelle la Dimension Card. Mais apparemment, c'est pas dans ce modpack. Donc ça, c'est emmerdant. Parce que ça veut dire que je vais pas pouvoir accéder à mon Raffinate Storage depuis les autres dimensions. Je ne pourrai y accéder que dans l'Enda. Remarque, c'était déjà le cas dans Direwolf 1 en fait. J'avais pas l'accès entre dimensions. Il me semble pas. Donc tant pis, on s'en passera. Ça, nous nous en passerons. Alors, on est reparti. Donc, les 4K. Hop. Donc ça me fait 3-4K, ce qui peut me permettre de faire un 16K en plus. Si j'ai les improvements. Il me manque encore du gold. Donc, improvement. 1, 2, 3, 4. Attendez, attendez, attendez. Oui, c'est ça. Je vais faire mon 16K. Donc j'ai mes 3 16K. Et maintenant l'objectif c'est 64K. Et pour cela il me manque un Advanced Processor. Yes! Yes! On est à 64K. Bon, ça a été tumultueux. Il me faut le housing storage. Storage housing. Hop, il me manque ça. Ça, j'ai ce qu'il faut. Super. Et donc j'ai qu'à combiner les deux. Et j'ai un disque de stockage 64K. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, de toute façon, on peut pas plus, hein. Après, c'est la créative, je crois. Mais la créative, elle est pas craftable. Encore, elle s'affiche même pas en fait. Bref. Par contre, ça manque un petit peu d'infos hein, sur certaines choses. C'est sur l'usage de certaines trucs.
Il y aura les crafting upgrades à faire, je pense. Mais voilà. Alors, il nous manque quoi encore? Il nous manque le crafting monitor. Je ne l'ai pas fait, hein. On est d'accord. Il nous manque le crafting monitor. Donc pareil, un casing. Il va me falloir deux improvements. J'ai dit deux improvements. Et deux patterns. Hop, on va aller faire chauffer les improvements. Et le crafting monitor. Ok. Est-ce qu'on en profite pour faire le storage monitor? Ça coûte pas plus cher. Enfin, ça coûte. Ouais. Ça coûte deux basiques de plus, quoi. Hop, basique. Donc, il me faut. Pour le storage monitor, il me faut. Hop, un destruction. Donc, un construction, un destruction. Une machine casing. Et on a le crafting monitor. Ça va, c'est rapide à faire. C'est très très rapide à faire, honnêtement, ça me plaît beaucoup. Donc, c'est juste que pour upgrader en 16K, en fait, c'est ça vraiment l'étape la plus longue. Et encore, je trouve que c'est encore correct. C'est encore largement correct. Bon, il va falloir qu'on voit l'ordre dans lequel on met ça. Donc, hop, on va mettre le crafting grid. Le crafting monitor. Le storage monitor. Et le disk drive. On va mettre ça dans ce cas. Le truc, c'est, j'ai toujours pas répondu à ma question. Où est-ce que je place tout ça? Alors, c'est pas le choix qui manque, hein, mais faut que ce soit judicieux. Je suis en train de me poser la question. Ah ouais. Ah. Je pense que je vais faire ça. Alors, pour le moment, on va les garder sur nous, tout ça, hein, y a pas de souci. Mais on va se faire quelques drawers de plus. Donc, je sais que ça a un rayon de 12 de portée. Donc, on va partir d'ici. En fait, du contrôleur, après, c'est 12 blocs. Donc, on va partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, donc, j'en rajoute 6 par-dessus. Donc, 1, 3, 4, 5 et 6. Et ça représente donc. À ce que j'ai compris, le mur maximum que l'on peut créer avec les drawers, du moins au niveau du contrôleur. Après, il me semble que les slaves là me permettent d'étendre encore la portée. Mais bon. Alors c'est un bug visuel, hein, la. J'ai toujours sur moi la. La wrench. Alors, j'avais refait des dalles. Elles sont là. Donc le but, ça va être quand même de garder un mur de drawer qu'on va interfacer. Et donc je me pose la question, c'est, ben, on met tout ce qui est ME par-dessus là. On va juste tirer un câble d'en bas pour l'alimentation. Et puis on va se faire donc ce mur de drawer là. À terme, voilà quoi. Voilà. Alors en vrai, ce slave là, il sera à la place de celui-là là-haut. On va le surélever, hein, bien évidemment. Tout ça pour le moment, c'est du détail. Et ben justement, donc résultat, on va mettre donc le contrôleur ici. Hop, puis on va les mettre dans l'ordre, hein, donc le crafting grid. Ça plante. Ensuite, le crafting monitor. Le storage monitor. Et j'aimerais bien, c'est plutôt mettre les drives au-dessus. Ok. Ok, ensuite, on va mettre.
Hop, Ardenaide. Alors, l'alimentation, on peut partir d'ici. Ok. Bon. Et là-dedans, on peut mettre notre 64K. Ok, par contre, mon storage monitor, là, je... Bon. Alors. Et ici, on a le crafting grid. Le truc, c'est... Alors. On va essayer ça. On va essayer. Donc, il me faut un... Ouais, donc on a ça. Ouais, ok. Alors, ensuite, il va me manquer juste un truc aussi. C'est... Donc, il me faut un câble. On peut le mettre là. Super, on a l'utilisation ici. Hop. On va mettre le wireless. Parce que je voulais, est-ce que je peux faire ça? Non, faut obligatoirement que je le casse. Bon, je le récupère, c'est l'avantage. Ok. Alors, 16 blocs de portée. On fera le portable moniteur plus tard. Pour le moment, l'idée c'est d'accéder à tout ici. Question si je mets une slab. Ouais, voilà. Hein, je peux stocker une slab. Ok. Il me manque quelque chose là. Il me manque le pattern grid. C'est bien ça. Hop. Alors. En fait, le storage monitor. En fait, j'ai peur de m'être planté sur ce que c'était. Mais on va mettre plutôt le pattern grid avant. Et donc là, on va mettre des patterns. Et là, l'idée, donc, c'est de mettre les recettes. Ok. Et ici, on a le disque manipulation. Le disque manipulation qu'on peut mettre là, hein. Alors ça, c'est si jamais, en vrai, c'est si jamais on met des disques, par exemple de 1K et qu'on veut les upgrader en 64K, on met l'ancien disque de 1K en in et on met le disque de 64K en out et ça nous permet de transférer normalement les disques. Si je dis pas de bêtises, c'est à ça que ça sert. Bon, même si en vrai, on va faire les 64K d'office. Alors, on va faire quelques patterns, résultats. On va faire 4 patterns. On va surtout en faire 4. C'est là qu'il faut faire. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on les met là. Et là, si je dis pas de bêtises, si je fais ça, ça, je peux encoder. Je le mets là. Et là, dans le crafting grid, alors... Ok, donc non, non. À ce que j'ai compris, là, je définis. Donc ok, donc mon storage part. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Ah oui, tout ce qui est crafter, j'ai pas fait. Crafting machin. J'ai pas fait le crafter. J'ai fait le crafter monitor, mais pas le crafter. Et les crafters, il va falloir que j'en fasse plusieurs. Hein. Mais oui, ok. Bon. À mon avis, il faut surtout les mettre dans le crafter, en fait, après coup. Bon. Hop, on va laisser comme ça. En vrai, non. On va déjà les faire. On va déjà les faire. Comme ça. Hop. Donc ça, c'est le 4K. Ça, c'est le 16K. Et ça, c'est le 64K. Enfin, c'est con, quand j'appuie sur Maj, ça marche. Ah, les touches rémanentes. Ah, ah. Super. Non, mais je vais quand même... attendez, je vais quand même poser là parce que...
On est d'accord, par exemple ça, je peux pas le poser. Si je peux le poser. Ça n'a pas de sens. Enfin, je peux le ressortir. Mais comment je fais pour faire ma commande? En fait, j'ai l'impression que de toute façon, l'inventaire est commun. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. En fait, l'inventaire est commun. Bon, pour le moment, je laisse dedans. Mais faudra les. Mais à mon avis, faut les mettre dans le crafter. Donc, crafter. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Ben, il me faut tous les. Bon, il me faut deux avant de 7 déjà. Ah, bah, les basiques, je les ai déjà. Donc, il me faut. Un construction. Et un destruction. Il va manquer aussi une machine casing, je pense. Exact. Il va juste falloir que je crame ça. Une et deux. Et on a le crafter. Alors ça, si je dis pas de bêtises, plus on en a, plus il est capable de crafter. Donc, bon, pour le moment, on va le mettre là. Et voilà. Et donc là, je peux demander les crafts. Et donc là, il m'indique ce qu'il faut. Je peux pas le start même si j'ai pas tout ce qu'il faut. Ok, bon, c'est pas grave, hein, on va faire comme ça. Il me faut. Et déjà, il me faut 81 de verre. Mais donc progressivement, on va faire ça. Ensuite, donc, de toute façon, voilà, il va me falloir les interfaces, il va me falloir plein de choses parce que en soi, après, il va falloir que je mette mon Redstone Furnace, par exemple, ou plusieurs Redstone Furnace pour faire du process. Pour faire du process. Donc ça va prendre aussi un peu de temps à faire. Mais on a un système AE, enfin à l'équivalent d'un système appelé d'énergistique. Qui fonctionne. Et après, c'est con que je puisse pas lancer le craft malgré tout. Pourquoi je peux pas. Si j'ai pas les éléments, je peux pas lancer le craft quand même. Et attendre. Bon. Il me manque aussi 108. De silicone. Ok. Et ensuite, il va me falloir. Donc des basiques machines là. Hop. Il m'en faut. Alors, je vais en faire 32. Il va me falloir des improved. Et donc toute cette partie-là, pareil. Hop. Donc 64. Donc là, on est d'accord. Si je lance, il me marque qu'il m'en manque 17. Ok. Bon. Hop. Ah, tiens. Hop. Ça, c'est fait. Je regarde juste un petit peu autour, mais. Bon, après, voilà. Il y a les interfaces à faire. Pas si compliqué que ça à faire. Faut les importeurs des exporteurs. Ok, d'accord. Ça va. Ça va, ça va. Bah ça c'est plus long, hein. Ça c'est clairement le plus long. Question, si je lui demande ici. Si je lui demande de me faire un cas. Oui, il y aura ça aussi. Il y aura ça aussi. Bah, ça, je peux déjà peut-être les faire et les mettre. Ça, pareil, en soi, je devrais, c'est en faire le craft. Mais bon. Donc, il y a ça. Hop. Quartz ici. Quartz Z. Donc, ça, c'est bon.
La redstone, il en manque 40. Hop. Ça. Ce qui fait que si je suis demande de me le crafter. Il manque ça, ça. Ok. Alors, il me faut 4. Ouais, donc. Ouais, en soi, j'ai un petit peu vu gros, mais ça fonctionne quoi. Ah, mais par contre. Attendez, 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 attendez. Il m'a dit 36. 36 et j'en ai que 32. Il va me falloir d'autres basiques. Donc 32, 33, 34. Hé. 34, 35, 30. Ah! Bon, bah, il y en a trop. Là, il y en a trop. Ah, fait chier. J'en ai fait trop. Tu veux toujours pas fonctionner, toi? 4. Ouais, oui, je sais. J'ai changé de monde entre deux. Ça me dégoûte. On va essayer ça en attendant que tout cuise, là. Parce que. Alors, on va essayer basiquement de la. Déjà, on va commencer la toilette forest. Parce que ça me paraît un peu le plus évident. Donc là, ça a pas besoin d'énergie. Hein. C'est l'avantage, c'est sûr. Et évidemment, l'XP, l'XP, l'XP. Parce que si je le bute, je gagne une orbe d'XP. Pourquoi ça fait une bruit de vache Voilà, c'est bon, ok, d'accord. Hop. Maintenant. Est-ce que ici, tu acceptes? Non, t'acceptes pas plus de décrafter. Bon. Alors, même motif, même punition. J'ai changé de monde, donc il me faut un peu d'XP. Je vais aller casser un bloc de charbon. Quelque part. C'est pas suffisant pour afficher ma barre. J'ai pas un peu de charbon qui traîne quelque part. Ah, si, là. Super. Ça, c'est chiant, ce bug du. Ok. Eh ben, ni oui, ni merde. Ni oui, ni merde. Ça veut pas. Doit manquer quelque chose. Il y a peut-être une touche à la con, après c'est. J'en sais rien, mais ça refuse de fonctionner, ça me saoule. Bah ça. Alors. Donc ça, c'est bon. Lui, il en est où? Il en est que le silicone. Ça a l'air d'être bon. Les processeurs, ça a l'air d'être bon aussi. J'attends d'avoir les 36. Ok. Donc. Silicone, tac, tac. Comment ça? Ah, attendez. Ah. Ah, alors oui, j'ai ce souci là. Alors, attendez. Il me faut. Alors, c'est lequel qui demande. Celui-là. Donc, c'est le 1K. Le 1K. Le 1K, il y a un souci. Alors, 1K. C'est celui-là qu'il faut. Non. C'est celui-là qu'il faut utiliser. Et donc, je vais en. Hop. Et donc c'est celui-là qu'il faut réencoder. Ok. Et donc, ici, on reteste. Donc il en manque toujours 22. C'est en cours de cuisson ça. Et non, il manque encore un peu de quartz. Bon, localiser une prouvette, c'est bon. Il va me falloir aussi ça. Des basiques. Alors les improuvettes, les trucs.
Comment ça, Missing 4? Ah oui, ils sont en train de cuire. Hop. Mais c'est con, je pensais qu'on pouvait lancer le craft même s'il manquait des choses en fait. Or, apparemment, c'est pas le cas. Faut obligatoirement que. Qu'il y ait ce qu'il faut. Hop, hop. Et donc là, normalement, il manque plus que. Voilà, qu'un petit peu de. De silicone. C'est bizarre, il doit me manquer un truc. Il doit me manquer un truc. Pareil, la crafting upgrade, je sais pas, je pense que c'est pour faire les crafts plus rapidement parce que ça doit prendre un petit peu de temps de crafter, mais sinon. Va aller chercher le silicone. C'est bon, normalement là, donc je peux avoir donc l'automatisation. Si là je lui demande start. Et donc là on peut le voir bosser. Et voilà. Et donc là j'ai mon 64K qui est là. Ok. On va refaire quelques patterns. Hop. Les patterns. Storage aussi, non. Pattern. Deux, ouais, ça me convient. Ça fait, ouais. Et il me faut. Donc le. Ouais, d'accord, ok. Il manque du quartz. Alors, oui, bah justement, on va faire ça comme ça. Donc. Dans les patterns. Donc, il va me falloir. Hop. Le storage housing. Là, avec la standard de Minecraft. Super. Et il va me falloir aussi ce craft. Alors, excusez-moi. Ok. Donc, voilà. Alors, il va me manquer 2-3 trucs, mais. Mais soit. Alors. On va rajouter ceci et on va rajouter cela. Donc on va mettre. Faudrait vraiment que je fasse une interface. J'ai quelques câbles déjà. Faudrait que je fasse une interface. Alors, l'interface, la question c'est. Est-ce que. On va mettre. On va casser celui-là. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. On va se poser. Alors, je vais tenter avec un slave. Je vais tenter avec un slave. Oh. Mais non. Hop. Je manque de pierre. C'est un comble dans Minecraft de manquer de cobble. Alors. Ben. Voilà. Sans qu'on ait un petit peu de stock. Alors, base. Hop, tant que j'y suis. Ici. Et ici, parce que j'ai des mobs qui spawnent là-dessus quand je remets en normal. Alors. Hop, cobblestone. Le silicone. On va l'envoyer là-bas. Donc là, l'idée, c'est de créer un housing. Bah, juste ce qu'il faut. Hop. Voilà. Et donc. Et donc bah simplement créer notre deuxième 64K. Boum. Et ben voilà. C'est bien, ça avance.
Oui, donc le storage housing. Il faudrait aussi que je fasse le pattern. Donc ça, voilà, il va falloir que je refasse un pattern pour faire le pattern. C'est cocasse. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Non. Non. Ok. Donc je recommence. Pattern. Il me manque ça. On va faire les quatre, quitte à faire. Hop, de toute façon, voilà. Et maintenant, ça va être quasiment que de l'automatisation de craft. Parce que ça va être l'objectif, quoi. C'est automatiser les crafts. Hop. Donc voilà le pattern. Voilà. Et puis à terme, eh ben, il faudra faire un autre crafter. Parce que bah, on va arriver au bout de celui-là. Et ça consomme combien ça de 31 feux particules. Ouais, alors c'est pas intuitif, mais en même temps voilà, j'ai pas trop de soucis à me faire au niveau de mes under générateurs pour le moment. Voilà, pour le moment j'ai pas vraiment de soucis à me faire. J'arrive à alimenter mon builder et tout le point-point là sans problème pour le moment. Il n'y a pas vraiment de raison voilà que. Alors justement, tant qu'on y est là, on va faire le. Parce que les crafters, je vais en avoir besoin régulièrement. Crafter de Refined Storage. Et donc là, si j'essaie de faire un craft de pattern, voilà, il m'indique ce qui manque. Mais ça, j'ai mis le. Oui, j'ai mis le craft de ça, donc il sait les crafter normalement. Mais il n'a pas d'iron. Oui, ce qui est logique, il n'a pas d'iron, il n'a pas. Bon, ça, on va lui donner quelques stacks d'iron, ça, c'est pas un souci. Alors, on va lui mettre quelques stacks d'iron, on va. Quelques stacks de quartz aussi, certainement. Ouais, le quartz, je galère un peu, hein. Faut dire ce qui est, je galère un petit peu. Ah mais toi, avec tout ce que je t'ai mis là, est-ce que éventuellement. Ouais, alors ça sert à rien parce que de toute façon il peut pas les cuire, il sait pas encore comment cuire les choses. Pour ça, il faut des interfaces. Il faut que je lui apprenne. Donc voilà. Donc c'est. Après, donc ça va être un apprentissage. Qui va se faire au fur et à mesure en fait. Mais déjà, faut qu'il sache faire des patterns. Voilà, il saurait faire des patterns tout seul. Il manquerait de verre. J'ai de la stone là. Hop. C'était pourquoi j'avais besoin d'un. Oui, c'est ça, d'un slave. J'ai besoin d'un slave. Oh, le quartz, c'est un enfer. Le quartz est un enfer. Hop, hop. Il m'en faut deux. Et bon, j'ai mon slave. Hop. On va mettre là. Et là, l'idée maintenant, c'est. Ouais, bah, ils sont là. Donc, je mets un câble là, un câble là. Et là, l'idée, ce serait de mettre une interface. Une interface. Interface ou un porte-bus? Pour le moins, interface. Alors, l'interface de Refinite Storage. Donc voilà, donc c'est celle-là. Il me faut ça. Instruction improvement. Bon. Donc ça, on commence à avoir l'habitude. Donc il va en falloir deux. Il va me falloir pareil deux basiques. De toute façon, on va mettre Refined. Hot. Refined. Hop, il va me falloir deux basiques. Donc, l'interface. Tac, tac, tac. Craft
crafter, disque, créatif, non. C'est dans ces trucs-là, interface. Ça, ok, donc bon, donc je suppose que pour l'importeur il faut le destructeur et pour le pour l'autre il faut le constructeur, voilà, je m'en doutais. Donc ça, voilà, c'est pour ça que j'en ai fait deux. Un machine casing, bien évidemment. C'est tout ce qui manque, c'est tout ce qui manque. Hop. Alors, il me faut un destructeur. Ça, donc maintenant je peux faire. Alors, je vais quand même vérifier dans l'interface que ce soit les bons. Donc il me faut l'importeur. Il me faut l'exporteur. Et maintenant j'ai l'interface. La question c'est est-ce que maintenant lui il est capable. Il n'est pas capable de me trouver. Donc c'était pas ça qu'il fallait faire. C'était pas ça qu'il fallait faire. Ah. Est-ce qu'il y a un truc story rig? Oh putain. Et ça, c'est l'external storage qu'il faut que je fasse. C'est l'external storage qu'il faut que je fasse. Donc, on est reparti. Il va me falloir deux basiques, un improvement. Donc, un improvement. Deux basiques. J'ai plus de. J'ai plus d'iron, non, mais. Allô, j'ai tout consommé en iron, là. Ok. Hop, je recharge parce que. Alors, ça c'est une chose. Donc il me faut, j'ai dit, external storage.